à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un petit haul Action. Donc je suis passée chez Action tout à l'heure, j'avais envie de m'acheter des aiguilles à tricoter. Du coup j'en ai pris, c'est une boîte comme ça, il en restait deux. Donc j'ai pris les deux boîtes tout de suite parce que je commence des tricots de différentes couleurs. Donc voilà, il y a ces aiguilles là qui sont déjà prises. Et ben maintenant j'en voulais d'autres pour que Clara aussi puisse faire ses tricots, que moi aussi je puisse faire mes tricots, et puis différentes laines, donc différentes grosseurs d'aiguilles. Donc c'est un set de plusieurs tailles, 5 tailles différentes, voilà, qui font 40 cm. Et en fait ça là, et ben ça m'a coûté 2,99€ le pot. Ensuite j'ai acheté des baskets, je les ai vues, je les ai trouvées trop jolies en fait. Je voulais les prendre pour ma fille aussi, mais il n'y avait pas sa taille. Donc je vais voir au Leclerc, parce qu'il y en a des petites baskets comme ça, tennis. Donc là, ça c'est ma taille. Et en fait, je vais en prendre pour le printemps au Leclerc la semaine prochaine pour ma fille. Des petites comme ça pour le printemps, c'est génial, j'arrête pas de me répéter. Enfin bref, ces chaussures-là m'ont coûté 2,99€. Ensuite j'ai pris un allume-gaz hein, pour mes bougies, parce que le mien est bientôt vide, donc j'en ai racheté un, 69 centimes. Ensuite j'ai acheté des mini-pinces, il y en a pas mal hein, franchement, pour 1,99€. C'est vraiment cool tout ça, tout ce qu'il y a, on peut faire pas mal de bricolage. Ensuite j'ai pris... des chouchous mousseline, 49 centimes 1. Voilà, pour faire des coiffures sur ma fille, parce que j'ai un beau chignon à faire et j'ai pris bleu. Hein, donc j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris un mini ciseau comme ça, parce que je les aime beaucoup et je sais pas où sont passés les autres en fait. J'en achète toujours parce que je les pomme en fait, mais je sais pas. Et pour les petits bricolages, les petits trucs, c'est vraiment pratique. Ensuite, j'ai pris des petits boutons cheveux quand je fais des tresses couronnes à ma fille, que je puisse glisser dedans. C'est des petits ressorts à glisser à l'intérieur. Donc, c'était 89 centimes le paquet. J'ai pris celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris des barrettes papillons pour le printemps. C'est très joli, à 69 centimes. Donc, dans le chignon, on aime bien s'en mettre un sur le côté. C'est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai pris les bracelets de l'amitié en flamant rose. Mais du coup, avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever les breloques et je vais faire des boucles d'oreilles pour moi et Clara. Donc, c'était 99 centimes le paquet. J'en ai pris deux, puisque y a, on va se faire une paire chacune. Voilà. Trop mimi. Ensuite, j'ai pris une ceinture simple, hein, noire, comme ça. 1,99€, parce qu'en fait, la dernière fois, je voulais absolument mettre une ceinture avec mon pantalon. Et j'en ai hein, des ceintures, mais je les perds en fait. Je sais pas où elles sont. J'en avais des noires à mettre sur les pantalons, mais impossible de les retrouver la dernière fois. Donc du coup, j'en ai acheté une là, et puis je saurai où la mettre. Et je la mettrai à un endroit, et voilà, j'y toucherai plus, parce que ouais, je sais vraiment plus où j'ai mis toutes mes ceintures noires en fait. 1,99€. Ensuite j'ai pris une c'est quoi ça, des élastiques, ouais, à 49 centimes pour Clara. Donc voilà, pareil pour le printemps, lui faire des couettes ou des tresses avec ça, c'est très joli en dessous, moi j'aime bien avec les petites fleurs. Donc j'ai pris rose, donc ça me pique le nez, quelqu'un pense à moi. 49 centimes. Ensuite, j'ai pris un mètre ruban. Voilà. Pour ma couture. 29 centimes. Ensuite, j'ai pris un coffret DIY bracelet. Donc, la dernière fois, j'avais pris licorne et tout. Et là, il y avait flamant rose. J'étais obligée de prendre. Voilà. Donc, c'est un truc bricolage flamant rose. 1,29€ pour Clara.
Donc là, pour le moment, c'était tout pour Clara. Maintenant, Dylan. Alors, Dylan, je lui ai pris une montre Cars. Il adore Cars. Et il la voulait déjà la dernière fois. Et puis, je lui ai dit une autre fois, une autre fois. Puis là, du coup, j'ai craqué parce que j'avais très, très, très envie de leur faire plaisir. Donc, j'ai pris une montre Cars à 3,95 €. Ensuite, j'ai pris des stylos Bi Disney, donc de couleur. Alors, pour l'école, ils pourront écrire en couleur. Donc, j'ai pris un Cars pour Dylan, avec les 8 couleurs. Et j'ai pris un troll pour ma fille. Voilà. Donc, quand on en gâte un, il faut en gâter deux, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris des Kinder, 1,19 €. Ensuite, j'ai pris des M&M's comme ça, 2,29 €. Et j'ai pris des M&M's comme ça, j'avais très envie d'M&M's avant-hier, je crois. Du coup, je les ai vus, je les ai pris, 2,29 €. J'ai pris des Kinder Surprise à 2,39 €. Et j'ai pris un set de tampons emoji à 1,65 €. Voilà, donc ça fait tout ça. Moi j'aime beaucoup. Et du coup, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, j'ai très envie de faire un bullet journal. Si vous avez des conseils ou des liens où on peut imprimer des pages pour les bullet journal, j'aimerais bien parce qu'en fait. Un de mes abonnés, Arnaud, donc je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo. Ben, tu m'as donné très envie de faire un bullet journal. Mais en ce moment, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas le temps, j'ai envie de le faire, mais je peux pas le faire moi-même en fait. J'aimerais les feuilles à imprimer et tout pour coller dans mon journal. Comme ça, je peux juste coller ça et puis voilà. Donc, je cherche des feuilles en fait de bullet journal à imprimer gratuitement, hein, bien sûr. Et puis, du coup, ben, je pourrais décorer avec des petits emojis comme ça. Voilà. Donc, pour le haul action, c'est terminé. J'avais acheté des boxers et des strings, mais en fait, je vous montre pas ça parce que la dernière fois, ça en a fâché certaines que je montre des sous-vêtements achetés. Pour moi, il n'y a pas de mal, mais bon, je voudrais pas. Voilà, choquer certaines. Mais par contre, je tiens à vous parler que. La qualité est top. Moi, j'ai pris en L, boxer et string. Et c'est vraiment trop bien la qualité, franchement. Ils me vont super bien. On est à l'aise dedans. Moi, j'adore et j'en reprends à chaque fois, quoi, en fait, les nouvelles couleurs, les qui suit les saisons, en fait. Et du coup, là, je suis très contente d'en avoir acheté. Donc, j'ai acheté 2 boxers. Et 4 strings. Voilà. Donc c'est fini pour ma vidéo haul action du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo et on se retrouve très bientôt. Gros bisous, ciao!